commencer. Hein, moi je donnais la première occasion, fini. Calmez-vous là, y'a quoi? On est rentré dans le stade. On est rentré dans le stade, le match a commencé. C'est passé, derrière, c'est passé. Faut pas la première occasion, parce que moi il aime pas ça. Mais il fouille comment même, et puis ça n'avance pas. On doit regarder le match là. Mais faut t'abaisser, hein. Je sais même pas comment je fais. Tu veux regarder quoi? Vous êtes prêts pour fourrer les choses partout, partout. Retourne-toi. Chef, c'est quelle manière de fouiller ça? Mais ça, là, t'as mis quoi là-bas? C'est quoi qui est là-bas? Y'a rien, c'est son repos qui est là. C'est son quoi? Son repos. C'est son coucher qui est là, là. Voilà. Ouais, mon ami, tu es prêt. Des garçons. Yeah. Mon ami, il faut faire vite. Attends, ouvre ta bouche. C'est le crocodile ou bien c'est l'homme? Faut rentrer, reste au sac. Tu connais ta place, hein? Eh, hey, Seigneur. Enfin, il a fouillé quelque chose de mou, de tendre, de tout. Il faut tourner un peu, tourne. Madame, tourne, viens te fouiller, tu vas rentrer. Attends, tu as fouillé qui comme ça? Tu as fouillé qui moi? On doit fouiller tout le monde pour rentrer au terrain. Moi, tu peux pas me fouiller comme ça. De toute façon, il a vu, tu as fouillé le monsieur qui vient d'entrer là. Oui. Tu l'as écarté, retourné, prends la température de son derrière. Moi, tu vas me fouiller comme ça. Oui. Mais si tu me fouilles comme ça, ça fait comme si on est déjà quitté là-bas. Ça fait comme si on sort directement de l'hôtel. On a déjà fait. C'est les avantages du métier. Attends, si toi-même on fouille ta femme comme ça, là, ça te plaît. C'est à quoi ça, moi-même, il lui a dit de ne pas venir au terrain. Ah, ah oui. Donc, ces femmes, des gens, toi, tu as fouillé comme ça. Tout ça, là, c'est long. Normalement, il doit avoir ton bilan. Ah, tu dois avoir une femme, un homme, une femme pour fouiller. Elle, ou bien? Toi, tu vous connais pas, vous les femmes. Mmh. On est là, on a dit à la fin. Elle est partie manger, c'est elle qui m'a confié ses mains. Elle dit de fouiller ses copines, ça fait quoi? D'accord, donc rien de mettre. Monsieur, faites vite. Quand elle va te confier ses orteils là, oui. Je vais rentrer. Tu vas durer là, tu vas rater le match là aussi. Ah. Hé, tu vas où est maillot ça là? Je vais à la piscine, il est au stade, tu me dis vers où? Ah, tu vas à la piscine. Lui, ça tu vas nager. Ça là, maillot ça là, c'est pour nager. C'est pas pour regarder le ballon. Attends. Mais, wouh! A Kiamé. Attends, il y a quoi, griffe là? Hey, tu as me blessé, c'est quoi ça la même? Tiens, je vis. Ah, ça peut pas rentrer. Pourquoi? Maillot ça là, tu as payé ça où? J'ai payé ça à Kiamé. Combien? 2500. Vous voyez les trucs comme ça. Hein? Nous, on souffre pour organiser une Coupe d'Afrique. On vous donne des maillots originaux pour être élégant sur le terrain, pour valider l'image du pays, pour être choco, pour organiser une canne inoubliable. Vous partez payer les maillots de 2000, 1500. Et puis, ces maillots de combien on doit payer? Mais il y a les originaux, 59 900. On a enlevé ça. 60 000, hein. 60 000, ça fait quoi? Attends. Vous partez faire les yaya ici, là. Vous partez faire les paya. Mon frère. Maillot 60 000, là. C'est maillot d'entrée au paradis. C'est quoi? C'est maillot d'entrée au paradis. C'est plus que paradis. Quand on y va gagner, vous n'êtes pas heureux. Si c'est un maillot pour aller supporter les gens qui font nul là, moi j'ai fait effort, hein. 2500 dollars c'est beaucoup. Normalement c'est 1000 francs doit payer. Ah, c'est d'accord. Donc faut me laisser, je vais rentrer. C'est pas ici là, tu vas rentrer à ton faux maillot là. Ici là, les trafiqués ou les imitations ne rentrent pas. Attends, donc, vous là, est-ce que vous êtes conscient? On est conscient? Vous êtes conscient? C'est pourquoi on prend. Au lieu d'encourager les gens à venir remplir les stades là, vous les encouragez à vider le stade. C'est ça non? C'est ça? On n'a pas besoin de quantité, on a besoin de qualité des supporters, des supporters conscients. C'est nous, on va regarder le match là en débardeur. Ah, c'est bien. Vous allez en débattre. On regarde en débattre. Nous aussi, on va venir avec peinture, avec feu. Ouais, moi, je ne peux pas aller payer maillot 60 000 francs, c'est quoi? Moi, je gagne combien? 70 000. Le SMIC est combien? C'est pas grave. Hein? Moi, je peux pas. Donne ça ici, on met dans la poubelle. Donne ça ici. Ouvre tes mains. C'est quel pays? Moi, je gagne combien? Côte d'Ivoire. CIV. Peut-être 70 000 et puis ils vont venir mettre. Ils vont payer maillot 60 000. Pourquoi? C'est mieux que tu as écrit dans ma peau. Mais si tu veux, faut écrire sur mon habit, même, c'est rien. Écris sur ton front. Faut écrire, c'est pas grave. Faut écrire. CIV. C'est pas grave. Voilà. C'est mieux que tu montes, Marc, là, tu soulèves tes mains. D'accord, il va comme ça. Voilà, faut rentrer. Je vais rentrer là. Ouais, faut rentrer. Pourquoi Mayo rentre pas ici? Mettez-moi ça là. Il y a quoi? Faut lever tes mains, il y a tes fouillés, tu vas rentrer. Non, mon frère, tu vas me. Mais c'est pas ton frère, c'est déjà vu dans nos réunions de famille. Fouiller là, tu vas me fouiller, c'est pas ça le problème. Oui, il y a quelqu'un. Mais je veux que tu m'expliques. Pourquoi pour avoir les tickets comme ça pour rentrer au terrain, on souffre comme ça? Ça, c'est vous, vous les Ivoiriens, on vous connaît, vous aimez toujours la dernière minute. Dit qu'on a mis sur internet, sur nos sites, depuis là, ça ne vous intéresse pas, dans ces derniers jours là. Moi-même, la fête des tickets là. Dit qu'on a mis dans les coins, il y a des coins qu'on a désignés à la télévision partout, dans tous les médias où on pêche. Vous aimez toujours à la porte, dernière minute pour lutter tickets. Mon frère, vous prenez les tickets là pour vendre ça à vos clubs d'amis, vos camarades là. C'est à eux que vous vendez maintenant, nous maintenant, pour avoir les tickets, on souffre comme ça. Hein? Où tu prends comment? Toi, tu as eu ton ticket pour moi? C'est bien même que j'ai eu, là, c'est avec la femme Djoula qui vend là.
Tu as eu la chance, moins un, c'est le dernier ticket. À cause de ça, les Camerounais même refusent de venir. Même les Marocains, pour venir, même c'est un problème. T'as dit les choses. Aïe. Ticket, vous dites que c'est en ligne, non? C'est en ligne. Vous dites que c'est en ligne, non? Si vous ne venez pas tôt, ceux qui sont rapides, ils ont tout fait. C'est pas bon. C'est notre faute. On met ticket en ligne à 7h. Il y a 6h59, ticket même est déjà fini. De toute façon, toi, tu veux ticket et puis tu ne dors pas là. Il y a d'autres éveils à connaître ça. Eux aussi, ils sont rapides. T'es en ligne. Et puis toi, tu dis quoi? Les Camerounais ne veulent pas venir. Opération 0 Camerounais à la CAN. On les connaît? On les connaît? Nous, on n'est pas allé jouer dans la poussière. Et si on est mort, on n'est pas venu ici. À cause de quoi? Flaque d'eau, ils ne veulent pas venir. C'est qu'ils sont rassasiés. Et puis, c'est des gens qui vont venir beaucoup, beaucoup là. Ils commencent toujours à parler beaucoup. C'est comme ça, ils sont. Ils vont venir. Attends, y'a où fouillez vous de là? Voulez-vous, y'a où fouillez là? Les Marocains aussi disent non, ils ne peuvent pas monter dans la cité. Ils ne peuvent pas dormir dans la cité Cannes. Ils n'ont qu'à venir à la maison. La cité Cannes là. La collez-vous. Mais vraiment, prenez-vous. C'est la main, c'est l'éléphant, on va s'en sortir. Tout ça là, oh. C'est l'éléphant. Ah. Rentrez. Ouh. Ouais. Thierry, quand tu vas être doux là, quand tu vois son organisation, tu connais. Même nous, les vigiles qui fouillons, on va gagner nos paris aussi. Vous là, suivant, venez rapidement. Allez, soulève tes mains. Yo, c'est le 4-4 de Magno. Utilisez mon code promo MAG43 pour vous inscrire sur One Is Bet et puis gagner 200% de bonus à votre inscription. Zolon.